Nous sommes le 2 août 1992 sur le circuit de San Sadurni, un circuit long de 16 km à faire 12 fois, donc 194 km au programme de cette course olympique de cyclisme sur route en ligne. Donc, forte chaleur et trois coureurs qui ont réussi à s'extirper d'un peloton emmené notamment par l'Allemagne pour Eric Zabel, le Danemark pour Mikkelsen, l'Espagne pour Edo ou encore les États-Unis de Lance Armstrong. Le voici, ce peloton à plus de 30 secondes. C'est fini, donc on se disputera donc à 3 la médaille d'or olympique avec un Italien, Fabio Casartelli, très prometteur, vainqueur de la Coppa Cicogna et du Trofeo Zdi, un Néerlandais, Eric Dekker, deuxième de l'Olympias Tour 91 et deuxième des championnats du monde junior 87, et un Letton, Danis Ozols, vainqueur du Reggio Tour. Et au sprint, eh bien Fabio Casartelli est largement le plus rapide et remporte donc la médaille d'or. Il devient le cinquième Italien à glaner le titre olympique de la course sur route. La deuxième place pour Dekker, la troisième place pour Ozols. Et derrière, c'est le sprint du peloton à plus de 30 secondes. Et c'est donc l'Allemand Eric Zabel à 35 secondes qui règle ce peloton devant notamment Laurie Hoss. Et du côté de l'équipe de France, une belle place d'honneur pour Bollet, tandis que Emmanuel Magnin, lui, a chuté. Et voici donc le top 8 de cette course olympique à Barcelone, remportée par Casartelli devant Dekker, Ozols, Zabel, Hoss, Sipikowski, Bollet et Pizix. Ciao tout le monde.